الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى سو نعمة سو فضيلة بكلون بكو أتيل بوان qui ne nous pas capable de finir remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour son ni'mat, pour son faveur qu'il vit bien. Et elle n'est pas mis par une grande ni'mat qui Allah fin donne nous, Allah fin donne tawfiq et iman, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne nous l'occasion d'être pas mis par musulman. Sa ni'mat, sa faveur qui Allah fin fait, entre nous tawfiq et iman, alors nous considérons parmi les mu'min qui est dans l'iman. Quand nous disons Allah fin de tawfiq, nous parmi celui qui est dans l'iman, les mu'min, dans le Coran et dans le Hadith, il définit les mu'min ou bien le dire Coran et Hadith peut expliquer nous qui veut dire être un mu'min. Être mu'min, son caractère, son akhlaq, son façon de vivre, comment il était. Coran et Hadith, il constate. Et nous parlons d'un Hadith qui nous essaye enfin. Et à la lumière de ce Hadith-là, en passant, nous pouvons prendre en compte les petites choses qui importent. Dans un hadith, le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mu'minu al-qawiyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Un mu'min, un croyant qui est solide, qui est fort, le meilleur. Et Allah subhanahu wa ta'ala plie après celui qui est un mu'min, un croyant qui fait. Qui ne comprend pas ça? Il y a des qualités de mu'min. Il y a un mu'min qui est un iman, mais seulement il y a un rapport avec lui, il y a une compétence avec lui. Et un le démon qui est un iman, mais seulement il y a la compétence, il y a la force, il y a la capacité. Le Nabi Karim peut dire Allah Rabbul Alamin donne priorité à sa mu'min qui est dans la force, qui est fort, qui est solide. Question à poser. Un mu'min quand il est solide, quand il est fort, dans quelle façon un mu'min est visage solide, est visage fort? Après analyse par l'ayat Coran, après analyse par le Hadith, nous retrouvons l'insan normalement il y a trois petites choses qui sont importantes, qui sont essentielles dans nous. Un, nous dit il faut les corps physiques. Deuxième, nous dit à son intelligence, son côté intellectuel. Et le troisième nous dit à ce côté l'âme, ce côté rouge.
Quand Nabi Al-Karim pédia un mu'min, il visait solide, il visait faux. Mais quand on comprend qu'un mu'min, il visait solide physiquement, en deux mots, un mu'min, il visait en bonne santé physiquement, et qu'on sait même un mu'min, intellectuellement, il visait solide, il visait faux. Et qu'on sait même un mu'min, spirituellement, il visait solide, il visait faux. Ce côté rouhani bizarro, ce côté akla, ce réflexion, ce l'intelligence, ce logique, ce côté rationalité, divisa solide, divisa faux, et comme ça même, un mu'min, un musulman, divisa solide physiquement. Ensuite, les taux analysent l'enseignement islam. C'est l'enseignement qui est lié avec nous les cours. On trouve ça meilleur l'enseignement qui est capable. Hein? Quand on dit l'islam, ce programme spirituel, on trouve meilleur programme spirituel que l'islam est présenté. Et comme ça même, nous côté l'intelligence, l'islam, il présente nous un programme, un meilleur programme. Quand l'islam paye la bonne santé des indiens, nous à trois à côté là, en même temps, beaucoup l'islam condamne tout quelque chose qui nuit à sa trois quelque chose là. Si un quelque chose lui dangereux pour l'ego indien, l'islam condamne. Si un quelque chose lui attaque un indien, ce côté intellectuel, l'islam condamne. Et quand quelque chose lui blesse sa côté spirituel là aussi, l'islam, il condamne. L'islam, il maintient une balance. Donc tout le monde l'a fait. Quand nous dit à Saléco physique là, la santé de Saléco physique là, il dépend beaucoup de ce qui nous mange. Alors l'islam, il n'est et la loi, l'islam il donne ce bon conseil, qui va quitter seul te consommer, il est bon pour ça l'ego là, et qui va quitter seul te ne pas consommer parce qu'il n'a pas bon pour ça l'ego là. Et dans une phrase d'un ayat Coran, Imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi, les dit, tout ce qui est correct comme nutrition, dans sa haine phrase d'ayat là, l'islam il dit en gros ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kulu, washrabu, wala tusrifu. Mangez, bois et pas dépasse limite. C'est-à-dire, un jour, l'immémorable est une chose qui est bon, qui est correct, mais seulement si l'im exagéré là-dedans, l'immusique pour son égo. C'est un jour libéraux, un petit chose qui correct, libéraux, les halal. Mais seulement s'il dépasse les limites, là aussi, il n'a pas bon pour sa l'égo là. Alors l'islam, il maintient une balance. Manger, boire, et tout n'a pas dépassé les limites dans aucun de la mer. Ni n'a pas manger, boire. Et comme ça même, en comparaison de petites choses qui, quand sont excès, la musique pour sa l'égo là, les dangereux pour sa l'égo là, l'islam il condamne. Et là, là où l'islam présente un programme concernant manger bois. Dans le hadith Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit un musulman, quand il mangeait, il divise son estomac en trois parties. Une partie là-dedans pour manger, deuxième partie là, ça pour boire. Et troisième là, la vie est à l'esprit comme ça, l'esprit vide. C'est-à-dire, l'esprit vide pour qui tu es capable de respirer. Finalement, vous pouvez voir que c'est un demande, parfois arriver nous-mêmes, nous devons manger là, bon, dire, nous poser, nous manger un peu plus, nous boire un peu plus, arriver à un moment donné, dire, comment nous finissons manger, nous pas envie de lever tout de suite. Nous sentons dans la difficulté, vous capable de lever tout de suite. Nous attendons le moment passé, après la là avec difficulté, nous restons levés.
parfois on dit à un jeune, les manger, les manger, si on les manger, les tout fait. Qui fait parce qu'il n'a pas laissé sa troisième partie, sa partie, la vie, pour être capable de respirer correctement. Et pour qui il a un contrôle là, le Bikalim sallallahu alayhi wa sallam, vénérer comme nous, quand nous manger, moi c'est nous manger, quand nous boire, moi c'est nous boire. Et là aussi, quand il y a assez pour manger, le Bikalim sallallahu alayhi wa sallam, ce principe, les gars, il y a assez pour manger, il y a assez d'une telle façon, pareil comme un oisil d'Ataïa, simplement un zéloula, le Bikalim, tu peux mettre du boudé. Ça veut dire un zénoula est pareil comme la position à Taïa et un zénoula vont me dire en débouté comme ça. Qui fait c'est existe une logique là-dedans. Il y a un jour quand il y a six comme ça, alors ça qui sont là, sa façon à se là, lycée à souvent d'une telle façon qu'il existe une quantité mangée qui est capable de rentrer, il n'est pas capable aussi. Mais par contre, si un jour, les laisse sa vente là, libre. Et il mangeait, vous avez tendance à manger un méprise. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit montrez-nous comment un musulman ne vous a mangé. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, parmi ce qu'on a mangé qui n'est recommandé. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit alaykum bi shifa'ayn. God and Nabi dit, rôle shifa, rôle guérison avec des petites choses. Un Allah Nabi Karim dit le Coran. Coran, une source de guérison. Et deuxième, Wal Asal, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, disait du miel. Du miel, Coran, mais il y a une shifa bihi, shifa ou l'innas. Et une shifa ou banjumun Allah. Alors, peut-être nous nous parlons de ça, l'importance. Mais les Européens, avec ce mal léger, ce qu'ils viennent faire, finalement, Européens, après qu'ils viennent faire les chefs, astés, ils viennent dire ça, pourtant, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'années avant, ils viennent dire ça. Parce que Nabi Karim, quand ils causaient, ils ne causent pas aux recherches ou bien par une rétine qu'ils viennent faire, c'est pas qui, ils ne causaient à travers Wahi, et Allah, il fait au lit. Nabi Karim, pas dire non, il pas lui-même. Allah, il fait Wahi, il y a des dires, et finalement, Nabi Karim, il fait nous comprendre du miel, il n'en chie pas là-bas. Mais le problème, quand on utilise un gorge de ça, une l'habitude, très souvent nous négligeons, quand on est fini, tombe malade, acheter un verre à du miel. Mais il est trop tard. Comme ça même, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut manger, il tient l'habitude, il commence par une petite dissèque. Et quand Nabi Karim finit de manger, il ne fait pas un petit guin de sel. Pratiquement, nous ne pouvons pas courir dans nos sociétés. Ou vous gagnez au safar, ou gagnez au koucha, ou gagnez au piment, mais seulement, dit celle-là, nous ne pouvons pas courir ça. Peut-être que nous avons des jodis qui ont fait ça. Ça, c'est sûr. Jodis qui ont fait ça. Nabi Karim, ce principe, il dit avant de manger, il ne fait pas un petit guin de sel, il met dans la bouche. Ça mélange avec son lacasse et finalement le Bikalim a bâti. Après ça, les de Bikalim, tu peux manger. Quand le Bikalim finit de terminer, il répand une petite guise, il met dans son lacasse. Et sa bonne dans son lacasse, le Bikalim a bâti. Le Bikalim tient dans sa principe là, une église lui, européen, quand il perd le richesse, il dit mais quand on finit de manger, quand l'estomac est absent, alors prend 17 d'Epson. Ou bien Andrews, ou bien Alka-Selzer. Il n'y a rien que ça peut trouver là. Mais pourtant, le Bikalim, il dit ça depuis bonheur. Nous ne pas contre, les gars, on prend Andrews, qui était sa sorte, disait ça. Alka-Selzer, qui était sa sorte, disait ça. Disait, quand on dit Debson, là, qui était ça, disait ça. Le Bikalim, il finit, il ça, puisqu'il 14 sont en année avant. Nous négligeons. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il recommande. Quand nous mangeons avec la main. Et surtout, manger quoi avec la main droite. Dommage. Voici le même film.
papa ou étonné. Du monde là avec son abob, avec son kunda, avec son bonnet, avec son tasse d'amande. Les aliments mangés, il passe au plat manger avec la main, il met manger avec la main noire. Les aliments livrés pour les boire, il prend vers là avec son abob, c'est bon. Vous n'avez pas grave ça, vous le aimez ça. Vous connaissez quand c'est grave? Le quelqu'un qui dit à ne pas manger boire avec de la main gauche parce qu'il y a Shaitan qui mange et boire avec de la main gauche. Il ne va pas carrément à vous. Alors, quand nous sommes en taux, nous acceptons de nous en taux. Pas besoin de faire 4 semaines pour justifier nous. Dire, et ça, moto, ça va accepter. Et qui vient difficile, bien dit. De nos jours, là, n'importe, l'Iali, l'Ijali. L'épicier, les madames, les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, pour accepter tout là, bien, bien difficile. Bien difficile. Parce que, quand il mange, tu peux solide, ça, tu peux permettre nous accepter tout. Parce qu'il s'accepte tout, parfois même nous, on a raison, nous n'avons pas fait dans les mots en tout. Il mange, déjà tout ça. Même nous, on a raison, nous disons, ok, nous ne prenons pas là. Qui fait parce qu'il m'en dit pas un tel vous suis moi ou bien moi qui vous existe un tel Allah Rabbul Alamin qui vous suce. Alors parfois arriver dans une discussion où il y a raison mais seulement pour finir prix vous pouvez dire ok moi accepte pas de moi là. Mais au moins à least nous avons un moment quand il y a un accord il a accepté ce tour qui nous remet d'accord et à dire non mais ça. Mais finalement, avec les temps, nous trouvons conséquence là. Nous trouvons conséquence là. Quand nous n'avons pas respecté la vie écaline sur l'enseignement concernant manger et boire, nous trouvons sous conséquence. Par exemple, imaginez quand Allah pécou avec Ban Rasoul, Allah les gars, il boit Rasoul. Et adresse à Ban Rasoul, vous connaissez qui fait. Parce que Ban Rasoul, Allah, il envoie lui-même pour transmettre un message. Pour qui est arrivé dans sa travail là. Allah dit Kulu min tayyibat, mangez évidemment qui soit propre. Ya ayyuha rasoul, au ban rasoul, mangez d'avant qui soit propre. Qui fait? Parce que quand on mange une petite chose qui est propre, qui est halal, Allah vous donne quoi tawfiq et ibadat, wa amal ou saliha. Mangez d'avant qui soit propre. Par barakat halal, Allah vous donne quoi tawfiq et ibadat. Mais ils ont dit quand nous trouvons Tawfiq et Ibadat, ça coûte pour faire Ibadat là, il enlève, nous mangeons, nous mangeons pas. Tawfiq et Ibadat, il enlève. Très souvent, parce qu'ils ont enfants là, ils peuvent manger pour même haram. Ils peuvent haram pour manger dans la case sans qu'il y ait un con. Alors, Allah reste Tawfiq et Ibadat. Alors, manger pour ça, l'écho physique là, il y a un potent. Alors l'islam, il régularise nos systèmes manger boire. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit Rod Shima avec Habbatou Sauda, ce qui va appeler l'hyplaxide. Nabi Karim dit il y a un Shima contre toute maladie excepté la mort. Habbatou Sauda. Bien si bien dans la case, il n'y a pas de soldat. Parce qu'il y a bien. Nous attendons, quand le docteur a fait dire comme ça, mais où il y a une trace cancer. Il n'y a pas de soldat à côté. Nous on dit là. Mais trop tard, avant même, tu vis à finir prendre. Quand on a l'habitude, tu sais, il n'y a pas de soldat. Vous gagnez en forme la graine, vous gagnez en forme de l'huile, et à ce terrain, il y a encore beaucoup de produits de PV à base, il n'y a pas de soldat. Alors, Nabi Karim, il recommande nous seulement de dire ça. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ma nourriture qui lui dit préférée, Nabi Karim, tu comptes manger calbasse. Ils ont dit, vous dites, nous couillons calbasse la case. Vous êtes figuier aux enfants là, vous finissez de connaître la petite position qui était là. Vous comprenez? S'il n'y a pas de dire où, non, au moins, il vous dit aujourd'hui, pour ne pas faire. Vous comprenez? Parce qu'il y a une calbasse. Pourtant, calbasse, c'est sunna, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens, à
avec les recherches, Pantheon arrivait à découvrir bénéfice qui est là dans le canvas. Parce que nous avons dit 5 grands recherches de père. Moi, je dis, ben, pour mine, toi, avant qu'il y ait européen, mine, tiens, toi, ça, que tu vis dans le fini, et là, il manque, de ce qui ne vient que lui, mine, tiens, toi. Imam Malik peut faire son hadith. Imam Malik, un parmi 4 grands imams. Imam Malik, Malik ibn Anas, considéré imam d'Al al-Hijra, plus grand imam de Madina Munawwara à son époque. Il peut faire ses hadiths. L'état arrive dans sa hadith concernant Kalbas. L'état décide sa hadith là, qui est le bien Karim, qui compte en manger Kalbas. Un parmi les élèves, il dit comme ça, moi, je ne peux pas compter en manger ça. Imam Malik, j'ai dit comme ça, relis à Kalima, et si tu n'as pas lié à Kalima, tu peux aussi voler qu'un coup de fouet, parce qu'il te dit qu'il ne peut pas compter en quelque chose qui ressemble à la petite compte. Alors là, vous avez attention. Vous avez attention de nous causer. Parfois, quand on dit Allah, il fait son faveur, les remplis nous pose un divin avec casse. Nous avons jeune, nous avons et nous avons la pause, nous avons tendance à la base à la pause là. Quand il y a une discussion, une conversation, si quelqu'un fait cause concernant la mort, vous connaissez qui dit ah ben, il y a quelqu'un qui est dans la mort là, on a dit pour rendre la mort. Vous connaissez qu'on a dit là, ben le roulement a dit à tout le monde kafir. Pourquoi tu m'avais dit à la kafir? On est au Islam. Et si tu m'en as l'idée d'amica avec quelqu'un, ça n'est qu'à l'arrivée. Il couffre. Parce qu'il a dit à Ban qui est dans la bombe là, de bien inclure, ne bien crime, tout le monde, tout le monde, ça va, ta vie, ta vie, ta vie, ma grand ou la main. Comment tu es capable de Ban qui est dans la bombe pour moi déjà dans ma bombe? La bombe, il s'en est, ne bien crime, ça n'a pas, moi, il va s'en est. Ou Ban quitte la bombe. Quand on gagne une discussion, on va mettre en cause la borne là. Parce que quand toi tu es dans la borne, lui pas un prêtre qui, comme a dit, à toi un djimoun honnête, comme ça, même ça, djimoun qui est dans la borne là, lui pas un prêtre qui est un djimoun honnête. Simplement, djimoun là, les tamines qui quittent la borne là, c'est sunnah de la vie, djimoun sallallahu alayhi wa sallam, si tu causes mal concernant la borne, lui considérer que tu acquises tout celui qui est dans la borne. Fais attention. Allah se rassoule dans les hadiths de Zéria, ou arrive un zaman, du moulin, les gens, les vies grand matin, les moumines, tantôt les vies kafir. Tantôt les moumines, lendemain grand matin, les vies kafir. C'est-à-dire qui bidait ce qu'il manque capable d'aller. Islam, il met nous l'ON rail. Islam, il met nous l'ON justice. Nous avons connu qui nous met causer. À cause ça, l'ami Karim dit, c'est lui qui a envie de causer. Quand il cause ce qui vont, s'il met un arrière bon pour lui causer, il reste tranquille. Il reste tranquille. Alors l'islam, il établit un programme. Et dans ce programme-là, on dit où l'importance calbas, l'importance du miel, l'importance de tirer la hadith Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, l'importance de l'eau, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, à tel point, le Nabi Karim finit vers Wouzou, s'il met vers Wouzou dans le récipient de l'eau, quand il finit vers Wouzou, si un tigine de l'eau il restait dans ce récipient-là, le Nabi Karim il recommandait boire ça de l'eau-là. Imaginez 5 fois par jour un tigine vers Wouzou, si chaque Wouzou qu'il y fait, il boit un verre de l'eau. Mais il est bon sur la santé, il ne faut pas écouter. Quand scientifique vient à nous comme ça, tu vis à boire minimum de litres de l'eau, ça te trouver là. Mais pourtant, le vieux Karim, il dit quoi ça? Le vieux Karim, il dit quoi? C'est des libonnaires. Et comme ça, même temps, le vieux Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il donne ça une grande importance. Le vieux Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y a un baraka là-dedans. Nous, avec nous, on va dire, quand nous gagnons l'état en prendre. Nous, dans la tête, comme on dit, Tamla nous servissent pour faire iftar. Tam, servissent pour faire iftar. Par contre, Nabi Karim, il y a même dans sa vie, servi iftar. C'est le temps, parce qu'il est bon, il est seul pour garder Rosa dans la journée. Tam, même dans sa vie.
Mais très souvent, les familles ne sont pas mensables. C'est les gens qui nous mensables. Et nous, là aussi, quand nous mensables, nous mensables un temps, nous mettons là toujours, c'est là, nous mettons une carte d'esprit là. Nous mettons là. Nous mettons là, et là, nous mensables. Quand nous suffisons ensemble, la plus, pour de l'eau, la plus. Et comme ça, même, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il condamne tout ce qui n'est pas pour sa l'écho physique là. Et quand il dit pour sa l'écho là, il est là au bout de l'islam, il condamne quelque chose qui n'est pas bon pour sa l'écho physique là, et pas juste l'écho physique là en même temps pour nous acheter là, il n'a pas bon, pour nous louer, il n'a pas bon. Il est là au bout de l'hadith de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. D'une cause concernant un petit sol qui a un jour consommé et il fait l'épée de saucer à vous. En arabe, on appelle ça khamr. Le Coran, Allah Rabbul Alamin descend à le Coran. Le Sahaba dit pose question à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ben là, il pose quoi question concernant khamr et concernant maisir. J'ai dit à ça. قل فيه ما اسم كبير ومنافع للناس جيبنا لدان إن كان كنا إعمدا إن سدن لامتاز بمنجمون وإسمهما أكبر من نفعهما سكنا سدانجي لبكو بليفو كي سلامتاز نفيني جلوسا quelques temps après la loi descend. Il y a du monde quand il consomme sa banquette soldat, il vise par la bouche avec une amende. Quelques temps après, la loi finale descend. Allah Rabbul Alamin dit Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali shaytan. J'ai dit à ça Kham. Man pres, devine à quoi? Tout ça là, c'est impiété, c'est travail, c'est shaitan, ça. Allah n'a pas dit, tenez-vous éloigné avec ça. Il condamne Khamr dans toutes sortes de formes qu'il y ait. Alors quand on dit Khamr, il y a la forme la bière, il y a la forme whisky, il y a la forme djima, rhum, ou servili pour boire ou bien ou mettre lui à manger, ou mettre lui si mal dans la salade, ou prendre la forme comprimée, ou prendre la forme la goutte. Ou prendre la forme d'un pays qui me servit. L'islam nous condamne. L'islam nous condamne tout. Et là, balai à du jour, vous vous connaissez beaucoup plus bien quand nous sommes jeunes d'aider en plein là-dedans. En plein là-dedans. Et dans certaines limites, nous demandons cela. Déjà, mon gars Rosa, c'est tantôt à Péftal, au film dans Jacques-Aïdoise. Ça, c'est de cela dans plein Ramzan. Quand tout le monde peut faire la vie, il est derrière parce qu'il a fait une seconde. Et la jeune, il finit pour faire la main de ça. Il finit pour faire la main de ça. Il fait, comme on dit, à 4 à 4, c'est pas 6 à 4 la main de la vie. Il dit, il n'y a pas derrière sur mon camarade que t'étais pas là, l'exil en l'église aussi. Il y a l'homme à la boutique là, il fait une seconde. Il fait une parce que j'étais là en plein Adam. En plein Adam. Alors, me dire à sa bastille-là, nous vous avons fait beaucoup attention. Suis avec nous, mes enfants, nous avons besoin de prix. Peut-être un jour, on est haut, pas vous capable. Contrôle vos enfants, ou comme maman, comme papa, comme un grand frère dans la case où tu visais connaît qui est dans la case, pas le monde de la case qui le peut consommer. Utiliser un contrôle. Parce que si nous n'avons pas suivi ça, si nous n'avons pas suivi ça, le Coran dit que nous attaquons la fitnette de la musulmane de la vie dans la boue, comme Khassa. Fais attention à sa fitna, qui quand il vient, il n'y a pas pour prendre 6 panais, 6 niveaux noirs, tout là-dedans. Peut-être que je ne dis pas dans la case, dans la case que tout voilà, ou n'a pas connu quand sa fitna la rentre dans la case. Alors chaque musulman est responsable sur la case. الله سبحانه وتعالى بالتوفيق وآخر دعوانا الحمد لله